Faustine, c'est qui? C'est moi. Bonjour, moi je suis Swan et ça c'est votre maman. Merci. Ah oui, ça devait être ça. Merci beaucoup. Ce soir, je t'attends. Et puisque ça te gonfle, comme si tu le dissiais légalement, j'irai toute seule. Ce ne sera pas la première fois. Ah, tu vois pas s'occuper, non? C'est dimanche, Benoît, tu pourrais t'accorder une petite pause. Non, je sais pas, j'ai été aussi en retard. Ça fait une heure que je me débat avec ce fichu ordinateur. Bon, maintenant, j'aimerais bien déjeuner, ok? Et moi, j'aimerais prendre mon temps. Moi aussi, j'ai une semaine chargée, figure-toi. Ah bon? Tes journées sont donc remplies d'activités si importantes. Un monde de frivolité, oui. Madame, à sa galerie, c'est peindre. Ces expos! Alors que toi, grand homme de science, tu te penches sur des problèmes autrement vitaux? Tu sais, Benoît, je pense que ton propre cœur aurait besoin d'une petite révision. Ah, tu mériterais un bon coup de pied, je pense, oui. Ta mère t'a trop gâté, voilà le résultat. Et toi, tu m'as tellement soutenu, tellement encouragé! Tu ne dis que dévaloriser ce qui t'entoure. Et puis j'ai entendu quelques échos par-ci, par-là. Il paraît que tu n'es pas tendre avec certains de tes collaborateurs. Je me demande quelle sorte de vieux type solitaire tu prépares à devenir, papa. Fous-moi, Candy! Papa se rendait à l'hôpital lorsqu'une voiture a grillé un feu rouge et l'a embouti. Pompiers, SAMU, etc. Tu peux imaginer. Il a subi une réanimation et on ne sait pas encore s'il reste dans le coma. Mais il va s'en sortir. Toute son équipe va se mobiliser. Il est entre bonnes mains. Oui, et à part si elle se vante, les vacheries qu'il leur fait subir. Dis pas des choses pareilles. Les médecins ont diagnostiqué un sérieux traumatisme crânien. De plus, il a les vertèbres cervicales sérieusement amochées et une fracture du fémur. Ils m'ont permis de le voir en salle de réveil quelques instants, mais il était encore à moitié inconscient. Est-ce que tu lui as parlé? Non, ma chérie, non. J'ai juste posé ma main dans la sienne. Je lui ai dit sentir une présence rassurante à ses côtés, mais j'ignore s'il m'a reconnu. Il a beaucoup de pansements. Vu l'état de la voiture, l'impact a dû être terrible, en effet. J'ai été littéralement catapulté au-dessus du lieu de l'accident. Témoin de tout. L'arrivée du SAMU, de la police, pas tout d'un toit, quoi. Je les ai vus mettre mon corps sur une civière. Et moi, je planais. Curieux de vivre ce dédoublement bienheureux, sans ressentir la moindre douleur. Tu me suis? Mon pauvre vieux, t'as été victime d'un trauma, t'as rêvé, c'est normal. Hein. C'est tout. Non, c'est pas tout, non. À l'hôpital, ils m'ont conduit au poste opératoire en urgence. Je les voyais s'affaider autour de mon corps inerte. Ils m'ont branché des appareils qui me sont familiers, tu t'en doutes. Je me disais que ces gens-là connaissaient bien leur métier et que j'étais dans trop bonne main. Je n'éprouvais absolument aucune angoisse. Tu étais où? Au bloc, te dis-je. Je planais en spectateur attentif, mais complètement détaché de l'événement. Je vous remercie infiniment de tout cela, il est très chaleureux.
Voilà, je suis un peu émue, hein, je peux dire. C'est la première fois que je suis en pleine lumière de la rampe grâce à ces acteurs. Voilà, je voulais vous remercier tous d'être ici d'abord. Et puis je voulais remercier plus particulièrement les gens qui se sont motivés autour de cette pièce et les invités. Je remercie infiniment M. Barrault du Conseil constitutionnel et président du Festival de musique de la Chaux-de-Dieu, et M. Fleureau, qui est l'ex-maire de la Chaux-de-Dieu et qui fait partie du Conseil général du canton d'Alais, parce que, avec ma famille, les membres de ma famille, vous m'apportez tous un petit air de ma haute-voix. Nicole est une amie de longue date, elle a fait une NDE ou EMI, comme on voudrait, en anglais ou en français, c'est la même chose. Elle l'a faite il y a 50 ans et je la connais depuis 25 ans. Donc je peux vous dire que c'est quelqu'un d'absolument authentique. Et si cette pièce est née, c'est un peu grâce à elle et à tous les, disons, les témoignages que j'ai reçus depuis. Et puis nous avons le parrain. Jean-Jacques Charbonnier, pour ceux qui ne le connaissent pas, anesthésiste au CHU de Toulouse. C'est ça, hein? C'est pas de bêtises, bon. Parce que des fois, les détails, là. Et à ce moment-là, bien sûr, Jean-Jacques a, en tant qu'anesthésiste, assisté, bien sûr, au réveil de nombreuses personnes qui venaient de subir une opération un peu comme celle de Benoît. Et il a recueilli leurs témoignages, et je peux vous dire que maintenant il en parle à tout le monde. Pourtant, c'est un scientifique, n'est-ce pas? Vous voyez, de plus en plus de scientifiques sont en train de s'apercevoir qu'il n'y a pas vraiment de frontière entre le monde réel, soi-disant réel, et invisible. Et puis évidemment, il y a autour de cette pièce tous ceux qui ont aidé à sa construction. Je pense par exemple à Sonia Barcala. Vous connaissez tous le nom, c'est sûr, beaucoup. La partenaire officielle de la pièce, et Blandine Vincent. Merci à M. Lazarini. La pièce est très bien écrite et elle a manifestement une valeur spirituelle qui permet, à mon avis, aujourd'hui, de tirer vers le haut une réalité qui est souvent prosaïque et parfois un peu dommage. Moi, ça m'a énormément touchée. J'ai revécu, si on veut, cette expérience. Et je suis ravie. Je suis ravie qu'une telle expérience puisse être jouée au cinéma et puisse être jouée au théâtre. Et pour moi, c'est un événement exceptionnel. Et je remercie à travers ça tous ceux qui ont y participé, et en particulier, bien sûr, Aude, qui est une personne très riche sur le plan humain et sur le plan spirituel. C'est une pièce qui est jouée par des vrais professionnels, on passe un excellent moment et ça traduit tout à fait l'expérience de mort provisoire. D'ailleurs, j'ai bien noté que dans le texte, c'était pas expérience de mort imminente, mais expérience de mort provisoire. Et ça m'a bien fait plaisir. Merci à vous. Monsieur, vous sortez du théâtre, vous avez vu la pièce, qu'en pensez-vous? Pour moi, c'est tout à fait ce que je vois depuis très longtemps, parce que j'ai été initié il y a 65 ans à cet aspect-là. Ma rencontre aussi avec Aude, qui est à l'origine de cette pièce, nous montre quelque chose qui est une réalité pour moi. Et par contre, félicitations à tous les interprètes, parce que vraiment, ils étaient au top. Alors, moi, je suis Françoise Carrière, et je joue le rôle d'Irina dans cette pièce, donc la femme du cardiologue à qui il arrive cette expérience de mort imminente.
Écoutez, cette première s'est très très bien passée. Le public était très à l'écoute et donc c'est assez agréable pour les acteurs, c'est-à-dire qu'il y a un vrai échange qui se passe. Quelques larmes qui ont coulé aussi. Oui, il paraît qu'il y a eu beaucoup de larmes, donc bon. En même temps, ce ne sont pas des larmes de douleur, c'est des larmes d'émotion, c'est toujours très agréable. Merci. Bien, l'accueil a été plutôt étonnamment chaleureux. Pas étonnamment, mais quand on crée une pièce, on ne sait jamais comment ça va être accueilli. Visiblement, le thème de la pièce parle aux gens, du moins aux gens qui étaient là. Et on a senti une écoute attentive, chaleureuse et qui nous a d'ailleurs beaucoup soutenus. Et c'est très agréable parce que quand on a répété comme ça pendant un mois, on arrive un peu à l'aveuglette, les gens sont vierges, ils découvrent l'œuvre en question, puisqu'il s'agit d'une création. Mais là, on est plutôt contents, je crois. Enfin, les gens, en tout cas, ont manifesté de l'approbation, donc on est contents. Voilà. Longue vie à la pièce, alors. Espérons, merci. Longue vie à la pièce, longue vie à l'autre versant de la vie. Merci, Denis. Je trouve que c'est un message important. Je crois que c'est une pièce qui devrait faire le tour de France et de Navarre, et d'ailleurs. Je crois que c'est vraiment un des messages les plus parlants et les plus simples et les plus directs de ce que sont les EMI, et je crois que c'est vraiment fondamental. C'est vraiment une pièce extraordinaire qui a été superbement jouée, avec des comédiens vraiment hors du commun. L'émotion passée, le message est très bien passé, et vraiment je recommande à tout le monde de venir la voir, et parce qu'elle est vraiment extraordinaire, vraiment bluffée. Hein. Bluffée, bluffant, et il faut absolument venir la voir. Je suis remué par cette pièce parce que personnellement, ce sujet, c'est tout ce qui se passe là-haut, si je puis dire, c'est pas mon livre de chevet. Enfin, je reconnais que jouer quelque chose comme ça d'un personnage qui a vécu cette expérience, c'est... ça m'a quand même troublé un petit peu. Tout Monsieur Lazzarini, oui, monsieur. Dites-moi, alors, c'est une réussite cette pièce là. Vos acteurs ont vraiment bien assuré. Eh bien oui, monsieur, mais ce sont des gens qui, de métier, qui font ça depuis longtemps et qui savent ce que c'est que le théâtre. Enfin, le jeune ne sait pas depuis longtemps, mais il est très bien aussi. Alors le jeune, le voilà. C'est voilà. Moi qui ne suis pas là depuis longtemps, oui. Non, et qui, j'espère, aura su convaincre. Ah ouais, non mais très convaincant. Hein. Ah bah c'est gentil. Très très convaincant. Merci. Et vraiment ça touchait la tête et le cœur. Ah bah c'est très gentil, ouais, merci. Ouais, on s'est tous laissé prendre. C'est difficile là, d'ailleurs, de tenir une caméra pendant ces moments. Hein. Il faut revenir sans la caméra. Reviens demain. Comme les gens qui verront cette vidéo, venez nombreux. D'accord. Nombreux. Parce que pour une fois qu'une pièce dit autre chose que la mort est une succession de formules mathématiques, c'est intéressant quand même à aller voir. Merci. Voilà.